une version de Kosisikele Katiopa, une version avec Marie, qu'est-ce que je veux dire là, Myriam Makeba, pardon, Myriam Makeba et Lady Smith Black Mempasso. On écoute ça. Écoutez, j'allais vous laisser là. Ça m'a emporté. On va garder la chanson en fond sonore, ok? Magnifique version de Myriam Makeba et Lady Smith Black Mambasso. Kosisikele Africa. Moi, je dis Kosisikele Katiopa. C'était pour la famille. Ici, Imaru. On est donc à nouveau ensemble pour les lectures spécifiques sur à qui tu as affaire. Voilà. Souvent, quand des personnes me demandent des consultations, ça revient. Ok, c'est une question qui revient souvent sur les relations. Ok. Et puis n'oubliez pas, pour vos consultations personnelles, on n'a pas que les tarots, on utilise d'autres outils. Ok. On aime utiliser les courriers pour les consultations personnelles. Et comme je l'ai dit dans un autre live que j'ai fait, chaque outil, en fait, a vraiment sa force. Les courriers sont très interactifs. On peut très interactif, discuter, échanger, ok, avec eux. Mais les cartes, c'est pratique pour la vidéo, pour faire la vidéo comme ça, alors. Et puis aussi, quand j'offre également, parce que ceci est une, comment on appelle ça, ceci est une séance que je suis en train d'offrir gratuitement. Alors que quand quelqu'un demande une consultation, elle est payante. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je devais dire d'autre?
Parce que toi, chaud et tefnout, écoute, j'ai même pas besoin de toucher les choses. Toi, waouh, tout ce qu'il y a à savoir sur toi, en tout cas, c'est dans l'air. N'est-ce pas que ton élément, c'est l'air? Donc, c'est vraiment dans l'air. Écoute, ça parle déjà. Mais pour le contexte, hein, parlons du contexte. Il s'agit de chaud et tefnout, c'est-à-dire gémeaux. On a affaire aujourd'hui à un gémeau qui veut s'élever, qui recherche l'appui des autres pour s'élever. D'accord? C'est toi, ça. Maintenant, quand je dis c'est toi, ça, c'est-à-dire toi spécifiquement qui veux savoir. C'est pour toi qu'on fait aujourd'hui la consultation. Et. Tu es descendu. Tu recherches des appuis en fait. Ok? Tu recherches des appuis, des soutiens. Mais tu es. J'ai ambitieux qui vient, mais c'est beaucoup plus fort que ambitieux, hein, ce que tu as en ce moment. Ok? Ce que tu émanes, c'est bien plus que de l'ambition. Waouh! Tu veux sortir du lot? Tu veux. Émerger, c'est ça? On dit émerger. Oui, j'ai moi. Hein. L'heure française, là. Oui, moi, je ne connais pas. Oh, j'aime la prochaine chanson de Lady Smith. J'espère qu'on. Monsieur Face va pas m'enlever ça à cause des droits d'auteur. Hein. Je ferais mieux de garder le son vraiment bas. Chou et Tefnout. Pourquoi tree of wand? Ok, alors tu n'es pas. Tu es très incertain par rapport aux ressources que tu vas chercher. Tu ne sais pas si tu as fait le bon choix. Tu ne sais pas si tu as fait le bon choix. Évidemment, il y en a qui ont pris du recul aussi par rapport à toi. Parce que comme j'ai dit, je te vois ambitieux. Mais c'est un peu trop. C'est-à-dire, tu veux tellement émerger, tu veux être tellement devant, c'est un peu trop. Donc, je peux aussi comprendre qu'il y en a qui ont pris du recul. Mais maintenant, tu questionnes pour qui? Pour toi, c'est drôle parce que. Pour toi, c'est drôle parce qu'on est en train de répondre à d'autres questions et pas à la question à qui tu as affaire. Parce que toi, tu es en train de rechercher des ressources, tu recherches en fait plusieurs personnes. Il y en a qui ont pris du recul par rapport à toi, comme je te l'ai dit. Mais je comprends aussi pourquoi d'autres questions sont en train d'être répondues. Eh bien, c'est parce que. Merci! Merci pour le compliment. Donc, je comprends aussi pourquoi d'autres questions sont en train de répondre. Parce que, comme je disais, le tirage spécifique que je fais, qui est à qui tu as affaire, ça te permet d'avoir vraiment une idée claire sur une personne pour qui tu as vraiment des doutes. Est-ce que tu peux la faire confiance pour ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment? Ok? C'est ça, en fait, la question que je vais répondre tout à l'heure. Mais ici. Chou et Tefnout, pourquoi on a d'autres questions auxquelles on répond avant? Eh bien, c'est parce que toi, tu te retrouves aussi dans la situation où certaines personnes se sont quand même questionnées, ok, s'ils peuvent te faire confiance. Ok, s'ils peuvent te faire confiance. Ils se sont questionnés là-dessus. Pourquoi? Eh bien, parce que dans certains rapports, tu es arrivé avec un masque, ok? Dans certains rapports avec les autres, tu es arrivé avec un masque. Quand je dis masque, c'est donc que tu ne viens pas avec à 100% qui tu es, mais avec le persona. C'est ça que j'appelle le masque. Ok. Alors, on a un chou et Tefnout ici qui se questionne sur un loco, un locoderme. Ça peut être aussi une, hein. Quand je dis un chou et Tefnout, ça peut être aussi une femme, hein. Ok? Donc, tu te questionnes sur une personne qui est
On dit le codem, c'est correct de dire le codem. On dit Mendeley aussi, ou bien Toubab, voilà. D'accord, parce qu'en fait, cette personne-là est en train de t'offrir un gros pot là. Quand je dis gros pot, je veux dire, elle vient t'offrir une opportunité, d'accord? Donc, je comprends que tu puisses te questionner sur elle avant de vouloir accepter son opportunité qui va te permettre alors de t'élever ou en tout cas d'avancer. Ok? Maintenant, allons voir. Allons répondre à la question à qui tu as affaire. On va te dire donc qui elle est véritablement. Qui c'est pas. Écoute, qui elle est? Eh ben, elle est ce qu'elle est. Quand tu dirais ce qu'elle est. Elle est très matérielle, ok? C'est une personne très matérielle. En fait, il y a intérêt, ok? Elle arrive ici avec son intérêt et puis c'est le matériel qui compte pour tout, pour elle. Donc ça veut dire que tu as une idée alors sur à quoi t'attendre d'elle, ok? Si c'était peut-être plus pour des rapports. Je sais pas moi, altruiste ou quoi que ce soit, tu comprends que c'est certainement pas la bonne personne pour ça. Parce que elle, voilà, ce qu'elle est, c'est qu'elle est très, très. Le matériel est important pour elle, son intérêt aussi. Ok? Elle arrive avec un intérêt. Ok? Mais attention, ça c'est quelque chose que tu ne vois pas. Ok? Elle s'est présentée autrement. Elle s'est présentée comme. Elle s'est présentée comme le beau soleil. Elle s'est présentée comme rat. Comme Ra, comme la lumière. Elle s'est présentée comme ton sauveur même. Elle s'est présentée comme ton sauveur, comme le soleil, comme la lumière, comme les solutions, comme tout, comme everything is cool, beautiful. Tout est beau. Je vais t'aider en fait, ok? C'est comme ça qu'elle arrive. Ah, mais qui elle est, son intérêt et puis le matériel. Elle est très attachée au matériel, ok? Voilà. Retiens ça. Elle est très attachée au matériel. Qui elle est? Tu veux voir la carte? Je ne pouvais même pas te montrer. Cette carte, je parle de ça. Je t'invite à aller voir. J'ai une vidéo sur ma chaîne Kurumalab. Je parle de cette carte. Parce que, bon, enfin, je ne veux pas reparler du sujet. Va voir la vidéo. Ça s'appelle la symbolique, les symboles kami dans le tarot occidental. Donc, ce qui me surprenait, c'était comment, évidemment, à l'origine, on avait Baneb Jed, un éther, une force cosmique, ce qu'on traduirait faussement par divinité, qui était vraiment associé à la maîtrise, etc. Aujourd'hui se retrouve donc sous une autre forme, mais maintenant c'est comment on l'appelle déjà Baphomet, c'est ça? Se retrouve sous Baphomet, mais Baphomet lui il est plutôt totalement en fait le contraire de Baneb Jed qu'on avait dans l'ancien temps. Mais je parle de ça dans la vidéo sur ma chaîne Kurumalab YouTube, ok? En tout cas, bref, c'était pour te dire qui elle est, voilà, avec ses cornes. Et pourquoi est-ce qu'elle a, pourquoi elle a besoin de masquer ça? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de porter un masque? Eh bien, c'est que c'est la personne a. C'est associé à sa, comment dirais-je, sa blessure. Sa blessure en fait dans sa vie, quand je dis blessure, c'est tout ce qu'elle a pu vivre. Donc pour elle, ce qu'elle développe comme quelle leçon qu'elle tire des expériences, c'est qu'il faut justement être juste quelqu'un de matériel. Donc il faut juste aller chercher son intérêt, etc. C'est comme ça. Ah, c'est pas gentil. On me dit aussi éducation, comme si c'est. Comme si c'est comme ça qu'on l'a éduqué également, ok? Maintenant, le conseil qu'on te donne par rapport à elle. Ah oui, le conseil. Ok, parce que là, tu te demandes,
pourquoi j'attire justement des personnes comme ça et tout. Eh bien, n'oublie pas ici, c'est le principe de correspondance. Quelque part, au début, je t'ai vu, comme je te disais, tellement. Je t'ai vu que tu veux t'élever avec ton ambition et que tu. Avec ton ambition, vraiment, tu vois les autres aussi comme des ressources qui vont t'aider. Bah, je ne suis pas là pour juger, mais je dirais que ça, c'est quand même aussi être un peu intéressé, en fait. Donc, voilà pourquoi tu. Si cette énergie-là est trop en toi, tu vas également attirer, tu vois. Tu vas attirer l'équivalent. Donc, je pense que j'ai pas besoin de dire plus. Tu vas attirer l'équivalent. Ok. Alors, comme conseil, c'est plus en. On te demande au fait de revoir, de vraiment principe de correspondance. Ok. Si tu as entendu parler des principes de JOT, alors comment est-ce qu'il les popularise? Il les popularise sous le nom des principes universels. Mais j'aime bien les appeler les principes de JOT, les neuf axiomes de JOT. Donc ici, le conseil, c'est de voir. Ça te ramène vraiment au principe de correspondance. Est-ce que tu veux toujours continuer de vibrer un peu comme ces gens-là, attachés au matériel, intéressés, etc. Si oui, dans ce cas, tu sauras quoi faire alors de ton rapport avec la personne sur laquelle tu t'interroges, à qui j'ai affaire. Ok? Donc, c'est ça le conseil. Maintenant, allons voir si tu suis le conseil. Ah ah! Si tu suis le conseil. Non. Excusez-moi, parfois je. Oh, je suis trop drôle. Alors. Tu as l'impression que si tu suis le conseil, tu mets plus d'humilité en fait en toi, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu veux. Et est-ce que c'est aligné aussi? Quand je dis est-ce que c'est aligné, ben c'est parce que Chou et Tefnout, on s'entend que on s'adresse à Chou et Tefnout ici qui se dit conscient. Chou et Tefnout, toi le Gémeau qui. Bonsoir. Toi, le Gémeau qui te dit conscient et en fait éveillé maintenant. Donc, si tu es maintenant conscient, la question que je poserai, c'est qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'au niveau de tes désirs, il y a des mises à jour à faire parce que tu arrives dans l'école conscience ou bien tu arrives dans cette communauté en fait consciente, mais on dirait avec les. Tu sais, quand on prend conscience, il y a des choses évidemment qu'on laisse derrière. Donc on dirait que tu arrives quand même avec des choses que peut-être qu'il fallait laisser. Donc c'est une invitation à voir, ok? À voir tout ça, ces anciens désirs-là. Est-ce que c'est toujours à jour si tu te dis toujours conscient? En fait, si tu veux véritablement la connexion, si tu veux véritablement. À vivre le paradigme authentique finalement, ok? Jus de gingembre dragon. J'appelle ça jus de gingembre dragon parce que je le fais extrêmement fort. Extrêmement fort. C'est voulu parce que on rentre dans la saison où il fait chaud. Et je dis il fait chaud. Il fait froid. C'est pas qu'il fait chaud, il fait froid. On rentre dans la saison où il fait froid. Et puis. Il y a beaucoup de petits bobos qu'on peut développer au niveau respiratoire, etc. Donc, j'aime bien faire du gingembre dragon durant cette période-là. Et autre chose, c'est aussi quelque chose que j'offrais en livraison, mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera possible cette fois-ci, si jamais il y a des demandes. Mais je livrais d'habitude. Alors, l'issue, c'est. Oui. J'ai déjà parlé, la carte résume, je l'ai déjà dit pour l'issue. Pour toi, Chou et Tefnout, tu vois là ici, lui qui met ça, qui
Comment on dit ça? Il est en train de... Ça fait penser à mettre de l'eau dans le vin, mais pas vraiment. C'est beaucoup plus qu'il est en train de tempérer, au fait. En train de peser les choses. La tempérance, c'est ça le nom de la cave. Donc, c'est ça. On te demande vraiment d'arriver à t'aligner, en fait. Donc, si c'est le chemin, en fait, connexion, authenticité et tout ça. Eh bien, aligne-toi bien et tu verras que est-ce que tes désirs sont toujours aussi ça? Donc, c'est-à-dire la recherche en fait excessive d'être vraiment véritablement rechercher excessivement le succès. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi juste une vie de luxe? Parce que ça aussi ça vient. Je l'avais pas dit au début, mais le luxe. Est-ce que c'est juste posséder le luxe? C'était des désirs qu'on peut comprendre que tu avais avant que tu n'embrasses la nouvelle voie qui est le retour vers la connexion, le paradigme authentique. Donc, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, alors on t'invite à vraiment t'aligner et puis revoir le principe de correspondance et voir à quoi tu veux correspondre. Est-ce que tu veux correspondre au néther? Tu vois les ailes ici, c'est pour illustrer le néther. Ok. Est-ce que tu veux correspondre au néther, ce qu'ils ont traduit par divin? Mais c'est plus, le vrai sens est beaucoup plus fort que divin. Ok. Donc, est-ce que tu veux t'aligner vers le divin? Oui. Donc, dans ce cas, tu verras tes désirs aussi en fonction de ça. Ou alors, est-ce que tu veux t'aligner vers lui, juste matériel, charnel, quoi d'autre? Il représente, en fait, je cite tout ce qu'il représente, quoi. Est-ce que tu veux t'aligner plus vers lui? Dans ce cas, voilà, tu sais quoi faire. Tu as le choix entre le néther ou bien... Oh, j'aime pas dire ça. Ou alors, ben, on va dire... Parce que je veux pas mentionner force du mal et tout ça. C'est pas... C'est-à-dire, dans le paradigme authentique, c'est une notion totalement différente, ok? C'est pas comme dans l'ancien paradigme qu'on enseigne. Ici, là, le mot qui est fort, c'est la peur. Donc, est-ce que c'est le paradigme de Néther ou bien le paradigme de la peur? Et pourquoi? Parce que la peur, en fait, elle t'emprisonne. Donc, c'est plus ça, en fait, que je veux dire. Prison. Pourquoi je veux même pas dire ça, ce qui est écrit? Vous pensez, tu le vois, ils disent « devil », mais... C'est juste le seul, en fait, devil que je connaîtrais, et là encore, le seul devil que je connaîtrais, c'est l'ego. Mais là encore, dans ce paradigme-là, la façon dont il faut comprendre la notion de diable, la notion de mal, n'est vraiment pas la même comme l'explique le paradigme actuel, quoi. Il ne faut pas que je dise actuel. Il s'appelle maintenant ancien parce que beaucoup de gens sont en train de revenir franchement à l'authenticité. Beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux, quoi. OK? Et puis d'ailleurs, ça m'invite aussi à un peu parler de ça. Un peu parler de la notion justement du mal ou bien... Waouh, ça serait beaucoup, mais si je dois peut-être un peu résumer, en réalité... Il y a deux énergies en nous, ok? Une énergie de lumière et puis il y a une énergie de l'attachement, une énergie de l'ego, s'il faut l'appeler comme ça. Et c'est pour ça que nous, on a donné justement, nos ancêtres, pardon, ont donné des noms que finalement, ils ont été traduits par divinité ou quoi que ce soit, mais pour illustrer justement le concept. Le concept, mais qui est en même temps le principe et qui est en même temps l'énergie. Donc, nous, on a appelé... Attends, je vais le montrer. Oups, pardon. Donc, on a appelé ça un peu comme l'énergie, donc, qu'ils appelleraient du mal, mais qui est plutôt pour nous énergie, que je dirais, du désordre, énergie de la peur, énergie de l'attachement, qui a été, pour nous, c'est plutôt 7, si tu veux. Mais même là encore, c'est divisé. Quand on parle de désordre, c'est plutôt énergie APEP. Et puis, énergie de l'ego, c'est beaucoup plus 7. OK? 7, 7,
ou Sétou aussi. Il y a des fois où on voit son nom sous le nom de Sétou. Et donc, c'est comme ça qu'on le voit. Et selon nous, selon la tradition, nous, on dit que ce sont des forces aussi qui nous habitent. Et voilà pourquoi je veux savoir, ok, est-ce que c'est plus ce que je suis en train de dire? Parce que parfois, je parle et je regarde pas. Mais bon. Donc c'est ce qui nous habite en fait. Et la balance, justement, la balance, vouloir justement aspirer à être Ma'at, c'est de pouvoir plus laisser l'énergie, donc de lumière, s'exprimer en nous, tout simplement. Et pouvoir, j'ai même pas envie de dire dominer, parce que si tu essayes de dominer une force là, c'est pas évident. Mais donc, de plus laisser s'exprimer, ok? C'est comme si on ferait carrément sourde oreille à l'énergie de l'ego et on laisserait plus s'exprimer l'énergie de lumière en nous. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que dans l'ancien, ce que j'appelle ancien paradigme, ce qu'on nous a bombardé, c'est... Ok, excusez-moi, je veux me lire un message en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible de vous parler de lire un message en même temps. Donc, dans ce qu'on nous a bombardé, on nous a plutôt parlé de forces qui vont soit, disant, nous avoir une influence sur nous, le bien, le mal, qui vont soit, surtout force du mal qui va être séparée, qui va vouloir agir sur nous, etc. C'est totalement l'inverse dans la notion de la tradition. C'est pas comme ça que c'est en réalité. Voilà. Donc, Chou et Tefnout, on a parlé de à qui tu as affaire. Ceci conclut donc ton tirage. Mais comme ce que je fais aussi pour les autres, je donne toujours une carte de guidance. Autre chose aussi, est-ce que ce que je viens de dire, c'est la réalité de tous les Chou et Tefnout? Non, mais c'est la réalité spécifique des Chou et Tefnout pour lesquels on a donné le contexte tout à l'heure. Ok? Voilà. Et est-ce que c'est la réalité de certains Chou et Tefnout qui ont, en fait, de certaines personnes qui ont l'ascendant Chou et Tefnout? Oui, ça va s'appliquer à certaines personnes qui ont l'ascendant Chou et Tefnout, mais qui pourraient avoir un signe solaire différent. Donc, c'est pour ça que c'est bon aussi de connaître son ascendant. Parce que parfois, tu peux avoir un signe solaire différent de ton ascendant. Okay? Alors, qu'est-ce que l'oracle dit pour toi, Chou et Tefnout, le Gémeaux, qu'est-ce que l'oracle dit? Qu'est-ce que l'oracle dit? Qu'est-ce que l'oracle dit? Qu'est-ce que l'oracle dit? Il y a eu un peu de perte de confiance en soi, parce que ça, je vois la confiance. Comme si tu perdais confiance aux forces intérieures, comme si tu avais perdu confiance dernièrement aux forces intérieures. Ah, waouh! On t'invite donc à retrouver le sacré en fait en toi. On t'invite à revenir en toi, revenir en toi, ok? Pour ceux qui savent faire des rituels pour te retrouver, fais-le. Pour ceux qui savent aussi peut-être se purifier, fais-le aussi. Donc, en fait, tout ce qui va te permettre de te réaligner. Ok? Ah oui, double ascendant. Ok? Chou et Tefnout, signe solaire, ascendant, Chou et Tefnout. Oui, ça arrive. Ok. Et est-ce que tes autres signes, ton signe lunaire est aussi en Chou et Tefnout? Ok. Oui, vraiment, message là de Chou et Tefnout,
Bon, là c'est assez plus, c'est vraiment plus large ce que j'ai à dire. Bon, ça s'applique vraiment à un plus large nombre de Gémeaux. C'est l'occasion vraiment maintenant de connecter. Il y a une nécessité vraiment de connecter, ok? Si tu sais comment le faire, vas-y. Sinon, si tu sais pas comment le faire, la première façon, tu peux simplement faire, tu peux méditer, ok? Ça va t'aider à te recentrer. Pourquoi je dis ça? Parce que sans quoi, la tour va s'écouler en fait. Il y aura vraiment des bouleversements, ok? Il y aura surprise, ok? Mais plus dans le sens de bouleversement, de bouleversement, donc quelque chose qui te surprend. Quand je dis la tour s'écroule, c'est-à-dire tu auras l'impression que ce que tu as fait beaucoup de choses, mais tout ça tombe. Mais peu importe, si jamais ça arrive, n'oublie pas que c'est comment on prend l'expérience qui fait que soit on grandit de ça ou alors on n'avance pas. Ok, ça c'est mon commentaire. Voilà. Donc, sweet note, j'ai fini. J'ai faim. Vous commencez à vous habituer à moi. Qu'est-ce qu'on a? Pour faire un peu changement là du quinoa, je m'en vais tout à l'heure bien battre le foufou de tarot. Ça sera du foufou de tarot que je vais faire. Ensuite, j'ai déjà fait une sauce gombo qu'on va manger avec un tout petit peu de palme, d'huile de palme dedans. Donc vous êtes invités. Et puis, on se dit peut-être à demain. Demain risque d'être une journée assez chargée pour moi, donc c'est possible que je ne sois pas là pour le live. Mais sinon, de toutes les façons, le prochain live sera dédié à qui là? On a fait Chou et Tefnout. Au Képri. Voilà. Donc le prochain live sera dédié à Képri, le cancer, pour voir à qui tu as affaire. Donc portez-vous bien. D'ici là, on se dit à la prochaine, à bientôt.